Marie-Hélène vient juste d'avoir 20 ans. Ça fait 6 mois qu'elle est en appartement. Sur les murs blancs d'un petit troisième étage, rue Saint-Denis est partie en voyage. Marie-Hélène a pourtant pas d'amant, juste des amis qui viennent de temps en temps fumer son pote, écouter sa musique. Marie-Hélène est une fille sympathique. C'est pas facile d'avoir 20 ans, c'est plus mêlant qu'avant. C'est pas facile. En métro ou à pied, Marie-Hélène traverse la société. Née par hasard dans le mauvais pays, au mauvais temps, Marie-Hélène s'ennuie. S'ennuie de quoi? Elle le sait pas trop bien. S'ennuie de qui? Elle le sait encore moins. En attendant, un mois d'études et l'assurance chômage. C'est pas facile d'avoir 20 ans, c'est plus mêlant qu'avant. C'est pas facile d'avoir 20 ans, elle a le temps, tout le temps. Le temps d'user jusqu'au dernier sillon, son Genesis et sa cinquième saison, et d'oublier les mots de Lady B qui joue la nuit quand tout le monde est parti. Mais Lady B, c'est déjà l'ancien temps. Marie-Hélène avait même pas 12 ans, et c'est si loin qu'elle le sait plus par cœur. Et c'est tout ça qui fait qu'elle a si peur. C'est pas facile d'avoir 20 ans, c'est plus mêlant qu'avant. C'est pas facile.